Avec une taille humaine moyenne inférieure à 180 cm, les géants semblent être des créatures qui n'existent que dans les contes de fées ou les films fantastiques. Mais vous serez choqué d'apprendre que les géants existent réellement. Ils sont réels, ils sont humains, et ils mènent une vie tout à fait normale, comme tous les autres êtres humains. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 10 géants humains qui existent vraiment. Numéro 10. Robert Wadlow. Robert Wadlow, également connu sous le nom de Géant Dalton, était un Américain de grande taille qui mesurait 272 cm et pesait au maximum 199 kg. Il est né à Alton dans l'Illinois en 1918. La taille et la croissance remarquable de Wadlow peuvent être attribuées à un dysfonctionnement de la glande pituitaire responsable de la production de l'hormone de croissance humaine. À l'âge de 8 ans, il était plus grand que son père. Et à la fin de ses études, il mesurait 254 cm. Les appareils orthopédiques de Wadlow étaient son seul moyen de déplacement. Mais ils ont également contribué à sa mort. Il a contracté une infection à la cheville causée par une attelle mal ajustée, ce qui a entraîné une grave maladie dont il ne s'est jamais complètement remis. Il est décédé à l'âge de 22 ans, le 15 juillet 1940, et a été porté par 12 porteurs de cercueil et 8 assistants. Numéro 9. André René Roussimoff. André René Roussimoff était un lutteur professionnel français surnommé la 8e merveille du monde. Il est né en 1946 avec une taille impressionnante de 224 cm et un poids de 236 kg. Son physique exceptionnel était dû au gigantisme, qui est une maladie causée par un excès d'hormones de croissance humaine. Il a stupéfié le monde par son apparence et ses talents dans le livre Guinness des records de 1974. Roussimoff a défié les attentes dès son plus jeune âge, avec un poids de 6 kg et des mains anormalement allongées. Il a commencé une carrière internationale de lutteur en 1966. La carrière de lutteur d'André a continué à prospérer et il s'est fait remarquer dans l'industrie cinématographique en jouant le rôle de Fedzik dans le film The Princess Bride en 1987. Malheureusement, Roussimoff a succombé à une insuffisance cardiaque congestive causée par le diabète à l'âge de 46 ans en 1993. Numéro 8. Zheng Jinlian. Zheng Jinlian, qui est né en 1964 dans la province de Hunan, en Chine, était la femme la plus grande de l'histoire de la médecine, avec une taille de 248 cm. Bien que son père mesure 163 cm et sa mère 156 cm, sa taille était due à une croissance anormale depuis l'âge de 4 mois. Sa taille a également augmenté son appétit, car elle avait besoin de 2 kg de riz par repas. Cette situation a mis sa famille à rude épreuve, car elle devait supprimer son appétit, ce qui a entraîné une faiblesse de ses os et de ses muscles. Zheng était passionnée d'athlétisme et aimait particulièrement jouer au basketball, mais elle a interrompu son entraînement au bout d'un an en raison d'une scoliose et du diabète. Le 14 février 1982, elle est décédée à l'âge de 17 ans des suites d'une apoplexie hypophysaire, qui est une maladie dans laquelle la tumeur hypophysaire saigne spontanément. Sa famille a fait don de son corps à un collège du Hunan pour qu'il soit étudié et le corps n'a pas encore été enterré. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Numéro 7. Vaine Millerin. Vaine Millerin est un géant finlandais acromégale qui a été la personne vivante la plus grande du monde de 1940 à 1963. Il est né à Helsinki et a servi dans les forces de défense finlandaises. Il pesait plus de 141 kg à l'âge de 21 ans. Il avait la plus grande envergure de main connue, 29 cm. Vaine mesurait 224 cm lorsqu'il a été incorporé dans l'armée finlandaise en 1929. Il a ensuite connu une deuxième phase de croissance et a atteint 251 cm dans la trentaine.
Vaineux a voyagé à travers l'Europe en tant que lutteur professionnel et artiste de cirque au cours des années 1930. Il est rentré en Finlande en 1939 pour servir dans l'armée pendant la guerre d'hiver et s'est ensuite installé à Järvenpää où il a dirigé un élevage de poulets. Il est décédé en 1963. Numéro 6. Trynche Kiver. Trynche Kiver était la femme la plus grande de l'histoire. Elle mesurait 260 cm au moment de sa mort prématurée à l'âge de 17 ans. Elle est née aux Pays-Bas en avril 1616 et mesurait 2 mètres à l'âge de 9 ans. Cette croissance extraordinaire est due à une sécrétion excessive d'hormones de croissance, ce qui laisse supposer la présence d'un adénome hypophysaire dans son cerveau. L'hypothèse d'une maladie sous-jacente contribuant à sa croissance atypique n'est pas écartée. Malgré sa taille, la cause profonde de sa croissance extraordinaire reste inconnue. Ses parents l'emmenaient dans des carnavals pour gagner de l'argent en faisant payer les gens pour la voir. Le monarque de Bohême Frédéric V et son épouse Élisabeth de Bohême lui ont rendu visite. Trynche est morte d'un cancer à l'âge de 17 ans et a été enterrée le 7 juillet 1633 à Edam. Numéro 5. Brahim Takioula. Brahim Takioula, qui est né en 1982 au Maroc, est la deuxième personne la plus grande et l'homme qui a les plus grands pieds, selon les records Guinness. Avec une taille de 246 cm, Brahim Takioula est la deuxième personne vivante la plus grande derrière le sultan Kösen de Turquie. On lui a diagnostiqué une acromégalie à l'âge de 18 ans et il a reçu le traitement d'un médecin français en 2006. Son traitement a été efficace puisqu'il a permis d'éliminer la tumeur et de rétablir des niveaux normaux d'hormones de croissance. Son pied gauche mesure 38 cm et son pied droit 37 cm. Il s'est adressé à un cordonnier pour obtenir des chaussures sur mesure, qui coûtent respectivement environ 3 500 et 3 000 euros. Cependant, le podologue orthopédique Jérôme Liégeon lui a fourni des chaussures spécialement conçues pour répondre à ses besoins particuliers et supporter son poids. Takioula est également un acteur de renom. Numéro 4. Rümeysa Gelgi. Rümeysa Gelgi est une femme turque connue pour sa taille. Elle est une star et une activiste et une oratrice. Elle mesure 215 cm et est atteinte du syndrome de Weaver, qui est une maladie génétique rare provoquant une prolifération osseuse. Malgré l'absence de remède, les personnes atteintes de cette maladie peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Elle se déplace généralement en fauteuil roulant et doit s'asseoir à une hauteur minimale de 50 à 55 cm. Le 8 novembre 2022, elle a pris l'avion pour la première fois, de la Turquie aux États-Unis. Cet événement extraordinaire a été largement couvert par les médias et a suscité beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, elle travaille en tant qu'indépendante et développeuse web et poursuit ses rêves en inspirant d'autres personnes à faire de même. Elle a commencé à étudier le développement web pendant les quarantaines de Covid-19 en 2020 et aime passer du temps avec sa famille et ses frères et sœurs. Elle aime faire du shopping et nager et passer du temps avec sa famille. Existe-t-il des preuves de l'existence d'humains géants? En fait, il existe peu d'indices permettant de penser que les hommes anciens étaient beaucoup plus grands que nous. L'anthropologue Lee Berger a affirmé un jour que certains membres d'une espèce d'hominine archaïque appelée Homo heidelbergensis mesuraient plus de 2 mètres, mais il n'y a guère de preuves de cette affirmation. Pour trouver de véritables géants, il faut remonter à nos ancêtres primates. L'espèce de singe géant Gigantopithecus blacki pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et s'est éteinte il y a seulement quelques centaines de milliers d'années. Ce qui signifie que nos cousins évolutifs ont existé à leur côté. Numéro 3. Uljana Semjonova. Uljana Semjonova est une joueuse de basketball à la retraite d'origine russe et une icône légendaire de l'industrie du sport. Elle est née en 1952 à Zarasai, en Lituanie, et a dominé le monde du basketball féminin dans les années 1970 et 1980. Avec une taille minimale de 213 cm et un poids de 127 kg.
Semjonova s'est fait connaître en portant des chaussures d'homme, ce qui lui a valu d'être considérée comme ayant les plus grands pieds jamais vus dans le monde du basketball féminin. Elle a joué sans défaite dans l'équipe nationale féminine de l'Union des républiques socialistes soviétiques pendant 18 ans et a remporté 2 médailles d'or olympiques. Elle a également remporté 3 fois le championnat du monde. Semjonova a remporté 15 championnats en Union soviétique et la Coupe d'Europe des champions à 15 reprises, ce qui fait d'elle la joueuse la plus titrée de l'histoire du basketball féminin. En 1976, elle a reçu l'ordre de la Bannière rouge du travail et est devenue la première femme d'un pays autre que les États-Unis à être intronisée au temple de la renommée du basketball en 1993. Numéro 2. Albert Johan Cramer. Albert Johan Cramer, l'homme néerlandais le plus grand de tous les temps. Il mesurait 242 cm et son poids maximal était de 250 kg. Il pesait 9 kg au moment de l'accouchement, ce qui a surpris sa mère. En raison de problèmes de circulation liés à sa croissance, il a été amputé d'une jambe, mais il pesait encore 170 kg. Cramer est né le 15 juin 1897 à Amsterdam. Il se marie en 1926 avec la Suissesse Wilhelmina Fassler, et c'est son deuxième mariage. Il fait équipe avec son beau-frère Joseph Fessler, qui ne mesure pas plus de 69 cm. Ils forment un duo dynamique qui captive le public pendant de nombreuses années. Grâce à leur remarquable partenariat, ils ont voyagé dans divers pays, notamment les Pays-Bas et le Royaume-Uni et l'Allemagne et les États-Unis, où ils ont enchanté le public en faisant étalage de leurs talents. Cramer est décédé le 4 avril 1976. Un an avant sa mort, son autre jambe a également été amputée en raison de problèmes vasculaires et circulatoires. Numéro 1. Sandra Helen Allen. Sandra Allen est née le 18 juin 1955 à Chicago. Elle était la femme la plus grande du monde, avec une taille de 232 cm. Sa taille était due à une tumeur de l'hypophyse, qui a provoqué une sécrétion excessive d'hormones de croissance à l'âge de 22 ans. Sandra a subi une opération du cerveau en 1977 pour retirer la tumeur, ce qui a aggravé ses problèmes de gigantisme. Elle n'a jamais eu de relations amoureuses et préférait les valeurs traditionnelles. Elle était écrivain et apparaissait dans des émissions de télévision et des documentaires. À la fin de sa vie, elle s'est déplacée en fauteuil roulant en raison de sa taille et de son poids. Elle était clouée au lit et ses muscles s'atrophiaient. Sandra est décédée le 13 août 2008 en raison d'une septicémie et d'un diabète de type 2 et de difficultés respiratoires et d'une insuffisance rénale. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.